Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez depuis quelques semaines même déjà, c'était prévu que voilà qu'on fasse un peu de gaming, tout ça, et il y a notamment un jeu moi qui me tenait à cœur et qu'il fallait absolument voilà que je vous fasse découvrir pour ceux qui connaissent pas, et je pense quand même qu'il y en a pas mal qui connaissent pas forcément parce que bon, le faire à l'époque. C'était assez compliqué. Donc les amis, alors aujourd'hui, pouf, on va se retrouver pour du Shenmue 1 et 2. Donc version presse, promo presse. Alors, petite explication, hein. Donc vous avez la vidéo aujourd'hui. Je reprends le petit blabla. Je suis en train de m'embrouiller, c'est une horreur. Bref, donc voilà, vous avez la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est donc le 20 août. Voilà, le 20 août, date de fin d'embargo. Sauf que moi, de mon côté, j'ai pas pu attendre. Parce que, en fait, oui, pour le lancer, je voulais vraiment être avec vous. Parce que c'est juste une merveille. Voilà, c'est une merveille. J'arriverai pas à être forcément objectif. Merci pour tous les bruits dehors, c'est génial. Donc, j'arriverai pas forcément à être objectif sur ce jeu-là, mais c'est juste une tuerie. Voilà, tout simplement, c'est une tuerie. Donc, il y avait un embargo jusqu'au 20 août à 16h. Donc, la vidéo à 18h, tout ça, tout ça. Moi de mon côté, je tourne la semaine passée. Donc voilà, donc ça va être hein. Donc on n'est pas le 16, on est le 17. On n'est pas le 20, on est le 17. J'ai reçu le 16. J'ai quand même réussi à attendre un jour de plus. Mais bref. Alors pour ceux qui connaissent pas Shenmue, donc c'est un jeu qui est sorti à la base en 99, fin 99, ensuite en 2000. Ça retrace donc les aventures de Ryo Hazuki, qui va tout simplement venger, vouloir du moins. Vouloir venger son père qui a été tué. Voilà, pardon, je vous en dis pas plus, c'est pas du spoil parce que c'est exactement le début du jeu. J'ai l'impression que la cam est super haute, du coup c'est très perturbant pour moi. Ouais, c'est très perturbant. Bref, je regarde pas le retour, hein, j'essaie de pas faire comme des signes. Donc voilà, donc il va essayer de venger son père qui a été tué sous ses yeux en plus, s'il vous plaît. Et puis voilà, il va se lancer dans une course de dingue. C'est un jeu d'aventure. La liberté pour l'époque, les amis, c'était quelque chose d'incroyable. Certes, si on regarde le jeu maintenant, il a beaucoup vieilli. Oui, bien sûr. Mais ça reste Shenmue. Et Shenmue, c'est vraiment une référence pour beaucoup de joueurs, dont je fais vraiment partie. J'étais beaucoup plus petit. J'avais 11-12 ans quand j'avais commencé Shenmue 1. Le 1, pas le 2. Il n'était pas en français, ça aussi c'était un gros frein. Il n'y avait pas d'allemand, il n'y avait pas d'italien, il n'y avait rien, il y avait juste de l'anglais pour les sous-titres. Sauf la version Shenmue 2 sur Microsoft Xbox, Xbox première du nom, qui elle avait le journal de bord en fait qui était traduit en français. Bref, alors on va remercier. Super, les bruits c'est génial. Donc, on peut quand même remercier Sega parce que je trouve que voilà, il était temps que Shenmue HD. Vous verrez que Shenmue 1 et 2 sortent. Alors, on va surtout dire merci finalement à Suzuki pour Shenmue 3 parce que c'est très clairement grâce à l'annonce de Shenmue 3 que Sega s'est dit on peut tenter Shenmue 1 et Shenmue 2. Voilà. Bon, au moins il y a du Shenmue, ça fait plaisir. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est qu'on va partir sur le jeu. Voilà, je sais pas encore si on va laisser toutes les cinématiques et tout parce que le début de Shenmue est très 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 long. J'ai pas envie de faire des coupures pour vous montrer telle ou telle chose. J'ai vraiment pas envie de faire des coupures. Je sais pas, je me tâte encore. On verra même pendant la vidéo. Je pense que voilà, on en parlera encore pendant la vidéo. Mais bref, donc là on va se retrouver. On va partir un peu à la nouvelle découverte de Shenmue. Ça va être génial. J'ai très très hâte. J'ai vraiment très très hâte. Je suis un peu déçu de pas l'avoir eu sur Xbox. Puisque finalement, moi j'avais terminé Shenmue avec la Xbox. Mais voilà. Hein, sur la Play, ça va être très bien aussi. Puis il y a Shenmue 3 qui va sortir sur la Play. Donc voilà. Donc les amis, on va arrêter de blablater. Je sais que je voulais vous dire plein de trucs. Je suis sûr que j'ai tout oublié. J'ai très clairement tout oublié. Et ça, c'est pas cool.
Mais bref, donc je pense qu'on pourra en reparler pendant le jeu. Moi, je me sentirais aussi un peu mieux sans la facecam, bien entendu. Ouais, donc on va faire ça. J'espère que le jeu va vous plaire. Moi, c'est vraiment un vrai kiff de pouvoir vous le faire découvrir pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, bah c'est bon, vous savez ce qu'est Shenmue, c'est une tuerie. Voilà, même le camion, on est d'accord. Donc voilà. Ok, coupure. Je suis en train de m'embrouiller. Donc les amis. Alors, on va se retrouver tout de suite le temps que je mette tout en place et on va se retrouver sur Shenmue, sur PS4 avec le portage HD. HD, encore une fois, vous comprendrez, de Shenmue 1 et 2. A tout de suite. Et re les amis. Du coup, bah voilà, on est parti. Donc, on est dans le menu de la PS4. Bon, comme vous le voyez, il est 10h29. Bon, ça, on s'en fout. La date n'est pas affichée. On s'en fout. Donc, bref, on va continuer. Donc là, oui, alors, j'adore Persona. Hein, donc forcément le fond d'écran ce sera du Persona parce que j'adore Persona, mais c'est pas le sujet. Donc les amis, on est parti donc sur Shenmue, sur Shenmue 1. Voilà, on va tout de suite le démarrer. Alors j'ai un peu réfléchi, je me dis que en réalité on va pas, je vais pas vous montrer les cinématiques. Je vais pas vous montrer toutes les cinématiques parce que ce serait un peu dommage. D'ailleurs vous avez vu pendant la facecam que je vous ai laissé normalement l'intro de Shenmue. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment la vraie intro, mais bon, c'est la cinématique, tout ça. Bref. Je vous ai vraiment laissé ça pendant la facecam parce que j'avais envie, que je trouvais ça chouette. Et puis voilà. Donc, du coup, les amis, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, voilà, on va faire une nouvelle partie parce que continuer de toute façon, il n'y en a pas. Hein, je vous ai attendu. Alors, par contre, ce qu'on va faire, si c'est possible. Alors attendez, parce que je sais même pas comment. Ouais, voilà. Comme ça. Alors attendez, ce qui serait bien, c'est de pouvoir éventuellement. Mode de jeu. Alors attendez. Voix désactivée, texte activé. Non. Voix activée, impossible de passer les dialogues. Non. Les sous-titres apparaissent seulement si vous passez le dialogue. Les sous-titres apparaissent seulement si vous passez le dialogue. Mais quel intérêt de mettre des sous-titres alors? Je comprends pas. Ah, j'ai un petit souci. Mais bref, bon, on va essayer comme ça parce que du coup, les amis, comme dit, j'ai pas envie de vous montrer toutes les cinématiques. Parce que j'aimerais quand même vous montrer un maximum. Voilà, il y a un truc, sur moi, je n'aime pas couper. J'aime pas couper, genre, là, c'est un passage à vide. Hop, on enchaîne. Non, je j'ai jamais aimé faire ça. Parfois, je vais me taire, hein, parfois, on va regarder deux, trois petits trucs, oui. Mais voilà, je sais pas si on devrait couper tout ça. Bon, si jamais ça vous plaît, peut-être que je ferai d'autres vidéos dessus, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce qu'était Shenmue. Donc, je suis pas sûr qu'on verra des combats, je suis pas sûr qu'on verra des QTE. Oui, parce que, alors, aussi, Shenmue, c'est quand même l'inventeur des QTE. Pas les vrais QTE. Ça, c'était plus Dragon Slayer, mais c'est les QTE non punitifs. Alors, on a droit à plusieurs erreurs, tout ça, tout ça. Avant de vraiment voir la partie totalement foirée, quoi. Bref, donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça. Donc, bon, allez, la première, je vais peut-être vous la laisser. On va juste profiter parce que c'est une tuerie. On vient de barder les amis, c'est ça le mode jeu. Donc en fait, il n'y aura pas les sous-titres. Youpi! Donc je sais pas comment faire pour vous les faire apparaître. Attendez, si je teste une pause. Non. Ouais, donc on pourrait passer, mais ce serait dommage de passer. Aïe 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 aïe. Bon bah je suis désolé. Bah premier foirage. Hein. C'est vraiment le premier foirage. Bon là en gros, voilà, il va voir la scène.
capitale du jeu qui va faire que Ryo aura envie de venger son père. Voilà, on va juste attendre là. Ah, je me rappelle encore. Ah, je suis trop Pour content. ça, Je suis trop pour content. ça. Bon, c'est... Ouais, normalement, c'est censé être émotif, hein, donc... Je m'excuse, mais je suis trop content. Vous avez compris que le sous-fifre de la famille, bah, il sert à rien, hein, qu'il a vite été têche. For the last time, where is the mirror? I've no intention of telling you. Peu importe combien de fois tu vas le demander, je ne le dirai jamais. Oui, j'essaye en même temps de traduire un peu, mais bon, vu que j'entends pas grand-chose, il n'y a pas trop de blabla. En gros, dis-moi où est le miroir, sinon ton fils va mourir. Du coup, il vient de lui dire que le miroir était enterré près de l'arbre, mais j'ai plus fait gaffe. Enfin, j'ai pas, je sais plus quel arbre, du coup. Il l'a dit, mais je sais plus. Mon Dieu, c'était il y a 3 secondes. Sun Ming Tao. That's the name of the man you killed in Moon Swan. It can't be you. Get up. I'll allow you to die like a warrior. Father. Wendy-sama, we have it. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'adore. Donc en gros, à la fin, il lui a bien dit de garder les amis qu'il aimait proches de lui, quoi. Voilà. Je suis vraiment désolé, je crois que j'ai totalement foiré avec ces sous-titres-là. Mais bon, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On va pas tout regarder de toute façon. Genre là, je pense qu'on va arrêter. Voilà, 4 jours plus tard.
Alors là, par contre, les amis, on va passer. On va passer, on va essayer de changer l'appareil. Voilà, j'ai pas envie, pour ceux vraiment qui ont envie de le faire et tout, n'hésitez pas, c'est vraiment un jeu de malade. Petite différence aussi par rapport à l'époque, c'est enfin en français. Donc voilà, donc ça c'est vraiment chouette, bah, du coup, pour ceux qui ne comprenaient pas forcément l'anglais à l'époque. Alors par contre, ce qu'on va essayer de faire, voilà, option, donc mode chez nous, on va remettre plutôt le mode de jeu, je crois. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce que là, je me suis paumé. Oui, déjà, oui. Je vérifie juste si mon micro enregistre toujours, hein, les amis, hein, parce que. Hop. Ok, on est toujours bon sur le micro, c'est déjà ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer deux, trois petits trucs. On va essayer de passer un maximum quand même, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc, les petites gachas à récupérer, ça, je m'éclatais quand j'étais petit. Donc, une petite gacha. Voilà, c'est un lapin. C'est un lapin. Voilà. Voilà. Bref, alors attendez, ce qu'on va encore vite fait faire, parce que ça, je voulais vous montrer, c'est dans les graphismes du coup. Donc là, on est en rendu haute résolution. Donc c'est du HD. Alors regardez, si on désactive, regardez la différence. Voilà. Donc sincèrement, voilà, ça c'est le jeu de l'époque. Quand même en 80, 99-2000, hein, les amis, hein, sur Dreamcast. Hein. Donc c'était vraiment, pour l'époque, c'était vraiment joli. C'était vraiment très, très, très joli. Non, ouais, bah, déjà, je m'embrouille. Alors attendez, hop, on va retourner en mode HD. Ouf. Et on valide. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas une grande différence, que c'est un peu plus lissé, et ça s'arrête là. Donc on va voir la mamie, après on va sortir un peu. You should still be resting. I'm fine, really. And you? Are you all right? Yes, but I must keep busy, otherwise I'll get depressed. I understand. But you needn't work too hard. Yes. Oh, by the way, I Ouais, have this for Bonnie. you. This is for today. From Donc tous tomorrow, les jours, elle va nous donner de I'll go l'argent. to the shoe cabinet every Jusqu'à, day. bien sûr, ce qu'on trouve un travail. You're a Ah, voilà, fortune. dès qu'on aura trouvé un travail. Fukada-san, I believe he's in the dojo. Really, thanks. Ah, les amis, c'est un kiff incroyable que de retourner sur Shenmue. C'est vraiment. Pardon, c'est vraiment un kiff de dingue. Alors, on peut vraiment aller un peu n'importe où. Bon, alors la maniabilité, bordel, c'est toujours la maniabilité de l'époque. Ça, il n'y a pas à dire. C'est juste horrible. Non, zut, bah, je me suis trompé. C'est pas du tout ce que je voulais. Ok, bon, alors est-ce qu'on peut. Attendez, parce que du coup, ouais, c'était galère. Enfin, j'ai. Ok, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Et on pouvait récupérer deux, trois petits trucs. Alors ici, il n'y a rien. On va pas rester longtemps, les amis, parce que j'aimerais vraiment vous montrer beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que voilà, on est déjà à 13 minutes. Ça va être compliqué. Je voulais qu'on aille récupérer des piles, parce que je me rappelle qu'il y avait des piles. Elles serviront pour plus tard, de toute façon. Ah, voilà, il y a plein, 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 plein d'objets à trouver. On peut à peu près tout ouvrir. C'est vraiment, pour l'époque, c'était d'une liberté incroyable. C'était un jeu vraiment super en avance sur son temps. C'est peut-être aussi ça qui l'avait tué à l'époque. C'est l'un des jeux qui a coûté les plus cher en termes de développement. Alors, par contre, on va aller voir. On va aller voir le. Je crois que c'est fou qui rage, j'ai même pas fait attention. Donc on va aller vite voir. Alors là, les petites carpes koi, j'adore. Donc on va vite aller le voir. On va pas laisser la cinématique, hein, les amis. On va la passer, celle-ci. Parce que voilà, j'aimerais vraiment, comme dit, vous montrer un maximum de trucs. Et en même temps, voilà, j'ai pas envie, si jamais vous venez à faire le jeu, voilà, j'ai pas envie, en fait, de tout vous montrer. Ah bah là, je pourrais pas la passer, en fait. Bon. I want to Pas ask grave. you about that man. Oh, that man. The man called Landi. What did he talk with my father about? Landi demanded the mirror, and
Then they threw me out of the dojo. The black suits, catch the names? I don't know. They came out of nowhere. I see. Thanks, Fuku-san. If you remember anything at all, be sure to tell me. Ryo-san, why? What you gonna do? Ryo-san, where are you going? You're not going after them. Please, don't. Look what they did to Hazuki-sensei. They killed my father, right in front of me. I will have my revenge. I need to do this for my father. Et voilà donc l'histoire de Shenmue, les amis, c'est une histoire de vengeance. Alors, je sais que ça peut paraître vraiment très, très moche hein, pour beaucoup d'entre vous, mais il faut vraiment se rappeler que le jeu est sorti en 2000, que c'était 99-2000, que c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour l'époque. C'était vraiment... c'était quelque chose... c'était immanquable, quoi, je veux dire. C'était... Mon Dieu, c'était... Revenir ici, franchement, les amis, ça me fait quelque chose. D'ailleurs, comptez sur moi pour le faire sur la PS4, pour le faire sur la One, pour les prendre en version des maths, en version physique, parce que Shenmue, ça mérite tout le soutien du monde. Donc, c'est juste un kiff. C'est juste incroyable. Je kiffe. Je kiffe. Certes, le jeu a vieilli. Ouais, j'avance pas trop parce qu'il y aura une petite cinématique encore, donc j'en profite pour vous parler. Oui, je me rappelle quand même pas mal du jeu, je suis vraiment content. Donc c'était, alors pour l'époque, hein, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc pour l'époque, c'était vraiment un jeu incroyable, franchement incroyable. Il y avait une ambiance ici, c'est tous les PNJ, ils font leur vie. Voilà, c'est le temps y passe, hein, il pleut, certaines dates, il y a de la neige, il y a plein de petits clins d'œil, il y a des Pères Noël quand c'est Noël, c'est juste, voilà, c'est un jeu extrêmement travaillé pour l'époque. Il était vraiment trop en avance, mais vraiment trop en avance sur son temps. Bon, la maniabilité, certes, c'était une horreur technique. je vous rassure, ça l'est toujours. Et c'est ça qui fait le charme de Shenmue, tout simplement. Donc on va vite aller nourrir un petit chat et puis on va continuer un peu. Hi Megumi. You got a kitten in there? You promise not to tell my mommy? Sure. Okay, then I'll show you. Is this your kitten? But this kitty, see? She's all alone. All alone? Yep. See, the other day, when it rained, a car ran over her mommy. My big sister saw it. She said it was a big black car. A black car? Yeah, and she said it was really scary. And then me and Sis, we buried the mommy cat. And so now, I can be the kitty's mommy. But... Mommy says we can't keep the kitten at home. So are you going to keep her here? Yeah, everybody's helping out too. Like Kota, Yasuo, and Kaio. I see. Kitty don't look so good. Think she's hungry? Wait a second. Okay. Alors les amis, tofu ou poisson séché? Franchement, moi j'ai toujours donné du poisson. J'aimerais trop essayer le tofu. Mais bon, on va quand même rester sur le poisson, promis, je ferai déjà le tofu, même si jamais, le jeu peut vous plaire, tout ça. On prendra un jour ou l'autre du tofu, on refera une partie même s'il le faut. Ah zut, ok, alors je sais pas ce qu'il a pris, j'ai même pas appuyé en fait. Ah, bon bah écoutez, bah c'est du tofu. Flûte. Bah oui, elle s'en fout. Ah bah oui, j'aurais peut-être dû... There's also dried fish. Give that a try. Ah bon bah ça va. If you crush it,
She might eat it. Okay. Well, I've got to go now. But wait! We gotta think of a name for the kitty! Oh, well, when I think of a good one, I'll let you know. You promise? Bye-bye, y'all! Bye-bye. 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 J'adore. Moi, les amis, je me sens mais tellement bien en fait sur Shenmue, c'est juste incroyable. Donc, on va continuer. Je vais essayer d'accélérer parce qu'en plus, on a 20 minutes déjà. On est à 20 minutes. Et franchement, comme je vous ai déjà dit, le début est extrêmement long. Il se passe pas grand-chose au début du jeu. Mais voilà, faut profiter de l'ambiance, de tout, quoi. Je veux dire, c'est... Je dois pas être objectif, hein. Donc, si on va là, ici, il y aura une mamie qui va nous demander un petit quelque chose. J'aurais bien voulu vous montrer vite fait une petite gacha. Les gachas Sega ou Virtua Fighter. J'arriverai pas à être objectif, hein, franchement, sur Shenmue, les amis, mais c'est juste... ah bah y a pas la mamie. Tiens. I love this. Pourquoi y a pas la mamie? Bah écoutez, une petite gacha. Peut-être que la mamie vient plus tard. Parce que là, c'est encore le matin. Voilà, c'est vraiment... Ils font leur vie, hein, donc ils viennent à un certain moment, tout ça. Donc, Ouais, bah écoutez, bah un petit Robotnik. Ah là là, j'adore. Eggman. Oui, c'est Robotnik. Hein. Oui, c'est... Alors, je vais pas faire comme à l'époque où je m'étais ruiné. J'avais acheté les gachas possibles. On va peut-être prendre une petite Virtua Fighter. Comme ça. Ouais, alors, vous voyez, par contre, la maniabilité, les amis, c'est par contre une horreur. Mais bon, on peut pas s'en plaindre. C'est juste... c'est merveilleux, quoi. Chez nous, c'est une expérience à connaître. C'est une expérience à faire, quoi. Je veux dire, c'est... C'est magique. Ok. Hey, what's this? J'ai plus le nom du perso. J'ai plus le nom. Ok, c'est là-haut. Voilà, super. Je ne sers plus à rien. Maybe I should get another... Mon dieu. Alors écoutez, on va quitter ici. No, not today. Si quelqu'un a soif, les amis, vous avez aussi un distributeur par ici, là. Bon, pour le fun. Allez, pour le fun. Je sais pas, j'arrive pas à voir s'ils ont changé, s'ils ont toujours les droits. Ouais, je crois que c'est comme à l'époque. Hein. Je crois que c'est comme à l'époque. Ouais, écoutez, on va prendre un petit Jet Cola. Ouf, j'adore. J'adore, c'est des petits trucs comme ça. C'est très lent, c'est un rythme très très lent. Mais voilà, le temps il passe, c'est des journées, c'est... Voilà, en salle d'arcade, on va aller bosser, il y a des casinos, il y a des courses de canards dans Shenmue 2, c'est vraiment... j'adore. C'est une expérience franchement incroyable, je la conseille à tout le monde. C'est un truc... c'est un truc magique, quoi. C'est magique. Écoutez, on va essayer d'aller un peu plus vite, du coup. Je sais plus où je devais aller. Alors, attendez, c'est peut-être écrit dans le carnet. Ah zut, fallait que je demande aux gens. Flûte. Alors attendez, eux je sais que non. J'en ai pas le souvenir du moins. Voyons voir, on va continuer. Bonjour monsieur. Yuki. Yo. Got a sec? Sure. Hey, is everything okay? Yeah, but hey, on that day, did you see any men wearing black suits? Black suits? No, I sure didn't. I see. Any idea who might know about those men in black suits? Maybe Sakuragaoka Gossip Gaggle might know something. You know how they're always yakking over near the payphone. Try asking them. Good idea. Yep. Du coup, là, on a eu un petit indice sur la fameuse voiture noire. Donc le téléphone public, il y en a plusieurs, hein, mais là du coup je présume, voilà, c'est celui-ci. Hop, on va aller parler à ces gentes dames. Mishima-san. Oh,
Oh, hello, Dio. That day of the incident, did you see some men dressed in black suits? Black suits? No, I didn't see them. Well, did you happen to notice anything unusual? Oh, nothing worth mentioning. I'm looking for anything at all. Is there anything you remember? I'm sorry, Dio. The weather was awful, so I stayed inside all day. Did you ask Sumiya-san? She knows about everything that occurs in this neighborhood. Is that so? Ok, donc là, il ne reste plus qu'à trouver Sumiya-san. J'adore, franchement les amis, j'adore. J'aimerais vraiment que ça vous plaise, histoire qu'on puisse éventuellement peut-être continuer un petit... voilà, là ce sera vraiment un let's play. Voilà, je ferai Shenmue avec vous, il n'y a pas de souci. C'est, moi je kiffe, quoi, je veux dire. Bah voilà, bah, j'ai retrouvé. J'ai une bonne mémoire, quand même. Alors. On the day of the incident, did you see some men in black suits? In black suits? No, I didn't. But I did see a cat, though. Wow, super. You mean a black cat? Yes, it was run over by a car. A kitten was crying nearby. I also saw little Megumi crying with it. I see. Was there anything else unusual about that day? Now that you mention it, Yamakishi-san took a terrible spill at the corner by the park. He was trying to dodge a speeding car. Looked as if he hurt his back. I think it was the same car that hit the cat. It must have been going really fast. I see. Ok, donc là les amis, du coup, on va vite aller... doit aller voir. Yamagishi-san. Alors je sais plus du tout, près du parc. Normalement le parc. Parce que Shenmue encore les amis, c'est assez, petit au niveau terrain de jeu. Mais c'est une vraie ville. Ah bah voilà, bah là du coup il y a la mamie. Excuse me. Yes. What's this name plate say? It says Tajima. Does it? I'm trying to find the Yamamoto's house, but see my eyesight is bad, so... Don't worry. I'll look for it. Wait for me in that park up ahead. You're so kind. Thank you so much. Donc là, les amis, vous l'avez vu, la mamie a du mal à trouver la maison. Je sais même plus quelle maison. Yamamoto, voilà, à Sakuragaoka. Donc on va, donc il faut réussir à trouver cette maison. Alors attendez, normalement, si on zoome dessus, voilà, il y a juste à zoomer dessus et du coup on peut voir les noms des maisons. Alors par contre, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus du tout où était cette maison. Mais en tout cas, je viens de remarquer quelque chose et c'est vrai, il y a plusieurs façons de retrouver, en fait, de poursuivre l'enquête. Genre là, ce que je viens de faire avec vous, à savoir parler à la dame là-haut et aux deux près du téléphone, je sais que moi, c'est pas comme ça que j'avais fait. Parce que moi, il y a la petite avec le chat. Quand on prenait du poisson, normalement, son blabla était différent. Ce qui fait que du coup, elle nous disait plus de choses tout de suite. Voilà, elle nous disait vraiment plus de choses et on en apprenait plus. Ce qui fait que du coup, bah, c'était un peu plus simple. Alors par contre, je ne trouve plus cette maison, c'est une horreur. Qu'est-ce donc ici? Sumiya, non, bon, ok. Bon, bah ça, par contre, je sais plus où c'est, les amis. Hein. Je ne sais vraiment plus. Attendez, c'est quand même pas ici, parce que j'aurais un peu mauvaise de rater ça. Non. Ouais, c'est... je confirme, c'est pas ici. Par contre, est-ce qu'on pouvait y aller, ça, je sais plus. Ah oui, on pouvait y aller. On pouvait y aller, on pouvait aller toquer, normalement, aussi. J'adore. Ah, j'adore. Franchement, les amis, j'adore. Je me sens trop, trop bien sur Shenmue, c'est incroyable. Incroyable comme je me sens bien. Je me sens trop, trop, trop bien. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on arrive à trouver cette maison vite fait. Derrière, bref, il y a tellement de choses que j'aimerais encore vous montrer, comme la deuxième petite zone juste après. Alors, attendez, on va laisser tomber la mamie pour l'instant.
On va juste essayer de trouver. Ou alors, non, il faut quand même la faire, la mamie. Ah, je sais qu'il y a des trucs annexes, hein, ça, y a pas de souci. Mais tout ne l'est pas. Donc. Attendez, on va essayer quand même de le trouver vite fait. Ici, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Oh là 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 là. C'est où est Charlie, là, les amis, hein? Où est Yamamoto Charlie? Yama Charlie. Ici, c'est quoi? Hop là. On va voir. Ah bah voilà, c'est nickel. Yamamoto, Donc on va aller voir la mamie, on va lui dire that's que Yamamoto c'est par ici. Bon ça va, hein. Franchement elle est juste là la mamie, hein. Donc au moins ce sera pas trop long pour elle. Hop, j'aimerais bien vous montrer une première scène de QTE, j'aimerais bien vous montrer des combats, j'aimerais bien vous montrer plein de trucs. Ma'am, I found it. Did you? Thank you so very much. This is it. Thank you for taking the time to help me, young man. I have to go now. There are so few helpful young people these days. Merci pour le trophée. D'accord, donc non, c'était vraiment ça, c'était vraiment annexe, hein, les amis. Hein. Excuse me. Terribly sorry. I've been too tired. Ask me later, will Donc, ouais, il y a des personnes, elles n'ont pas envie de parler à certains moments. Alors par contre, près du parc. Ah, mais c'est quel parc de nouveau? Ouais, il fait doucement toi avec ton scooter. Alors, Yamagishi-san doit aller voir Yamagishi-san. Mais pardon, je m'enlève, voilà, tu peux y aller. Alors attendez, on va essayer de le retrouver quand même vite fait. J'aimerais bien vous montrer un maximum de choses, mais ça va être trop compliqué. Alors encore une fois, je le redis, hein, mais si vraiment vous avez envie de voir du Shenmue, comptez sur moi, on fera du let's play, les amis, on le fera entièrement ensemble. Parce que voilà, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, c'est magique. C'est magique, franchement, de se balader dans Shenmue, c'est juste génial. Alors, on va aller ici parce que franchement, je ne sais plus. Hein, là, je me rappelle de certains trucs, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, est-ce que ce serait toi? Ichijo. Non, Hey c'est pas bro. lui du tout. Ok, bon, bah, bonne journée. Noriko. Noriko. Yo. About that day. That day, I heard about it from. It must be hard. No, I'm fine. See you. Bon, alors attendez, c'est pas ici. Je suis pas sûr de pouvoir descendre. Vous avez quelque chose à me dire, vous? Hey. Hi, yo. Nothing really. D'accord. Attendez les amis parce que là c'est un peu. Est-ce que le Kitty. Alors la petite, comment il va le chat? Hi, Megumi. I'm sure she's going to be fine. I think so too. Have you named her yet? Not yet. Let me see. Alors, comment est-ce qu'on va appeler le petit chat, les amis? On va l'appeler Mimi, Sasuke, Tama, Chibi. Écoutez, on va l'appeler Mimi parce que je sais pas, moi je trouve Mimi, moi. Voilà. Mimi le chat. How about Mimi? Oui, voilà, ouais, on peut dire ça. Bon, eh ben, les amis, au moins, on aura fait quelque chose dans cette. J'ai quand même envie d'appeler ça un let's play. Allez, pourquoi pas? Ouais, allez, bah écoutez, let's play numéro 1, Mimi le chat, Mimi le chaton, Mimi le chat trop mignon. Je me sens trop bien sur Shenmue, mes amis, je pourrais rester là 3 heures avec vous. Moi, ça me dérangerait absolument pas. Vous, je pense que oui, mais alors moi. Attendez, on va essayer de poursuivre un peu. Je pense qu'on pourra pas se barrer. Hein. Je suis pas sûr qu'on puisse se barrer tant qu'on n'a pas retrouvé. Ouais. Ouais. Donc je dois laisser. Ah mais alors attendez, bah oui, peut-être qu'en fait il est chez lui. Sauf que je sais plus où il est. Ouais, mais les amis, oui, comme dit, c'est vraiment Yamagashi. Bah voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez long, de lent. Mais une fois que c'est parti quoi. C'est. Yamagishi-san. Hello. Oh, it's you, Leo. How is your back? Yes, it's much better. I heard Oh from bah tout le monde le someone dit, hein, tout le monde se dit that tout you ici en almost got ran over by a car. Well, it must have been Megumi or Sumiya-san who. Could you tell me about what happened with that car? Sure.
This black car came flying around the corner over by Sakuragaoka Park and went towards Dubuita. A black car? Did you see the license plate number? Maybe, if there hadn't been any snow. And to make matters worse, I fell over. So I never had the chance. Oh, well, I'm glad to hear you're okay. Alors les amis, je précise aussi que moi je suis en train du coup de capturer sur une version donc qui n'a pas forcément eu les mises à jour day one, donc qui est encore assez buggée. il y a des voilà, vous verrez certainement des petits bugs, tout ça. Mais voilà, c'est juste pour prévenir, hein, vous inquiétez pas, il y aura une mise à jour et tout. L'arrivée à Dobuta, les amis. L'arrivée à Dobuta. On va essayer, j'espère que tout va bien se passer, que je pourrai vous montrer 2-3 trucs. Et on arrêtera là. Voilà, on arrêtera ici à Dobuta. Ouais, boutique de gin. D'ailleurs, les amis, c'est juste incroyable parce que ça, en fait, ça existe. Hein. Dobuta, il n'y a pas de problème. C'est une ville qui existe. D'ailleurs, pour l'époque, je trouvais ça incroyable. Et puis, les ressemblances qu'il y avait, c'était juste quelque chose de fou, quoi. Hein, quelque chose de fou. Ouais, alors, vous allez voir lui, là. Lui, il est juste génial, ce mec. Il est vraiment génial, ce mec-là. On va pas le faire maintenant. On va continuer encore un peu. Voilà, on va aller ici. Voilà, on va... Ah non, je crois que c'est... Non, me dites pas que c'est fermé, pitié. Oh non, me dites pas que c'est fermé. Oh non, pitié. Ici, qu'est-ce que c'est, là? Alors, attendez. Donc ça, ok, donc c'est encore du Sega. Là, c'est du VF. Ok. Ok, encore des petites gachas. Ici, les amis, si jamais vous voulez qu'on continue le Let's Play de Shenmue, il y aura des combats ici. Bon, la fleuriste, je sais qu'elle est importante. Alors, dites-moi qu'on peut y aller. Allez, faites-nous rêver. Ok, alors les amis, on va arrêter ici. On va faire quelque chose. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je ne sais pas. Donc là, il y a un jukebox. Ouais, c'est... Alors, attendez, est-ce qu'il y a tout ça? Je ne sais plus. Là, il y a du hang-on. Derrière, il y a du space arrière ici. Alors, pour vous montrer vite fait un petit QTE, on va faire ça. Alors, on va faire ça, c'est pour vous montrer un petit QTE. Show me what you got. Pardon. Donc, c'est un petit QTE, ce sera du rapide. Hein. Voilà, on va faire 2-3 petits jeux. Mais parce que soit vous faites l'enquête, soit vous faites votre vie, soit vous prenez le temps que vous voulez. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, l'enquête n'avancera pas. Et il y a une date limite pour l'enquête, c'est le mois de mars. Ah bah ok, d'accord. Donc en fait, non. Attends. Oh mon dieu. Je me suis cru sur la Xbox à l'époque. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et le milieu, c'est ça. Ok, ça devrait... Je suis trop nul. J'arrive pas, les amis, au secours. Attendez, on va le refaire. Hein. Promis, on fera quelque chose de mieux ensemble. C'est vraiment promis. Là, en plus, je suis en train de vous parler, donc se concentrer, c'est assez comique. Mon dieu, je vais me vautrer. Les amis, je vais me vautrer, je le sens trop. Allez. Faut juste battre le high score. On va juste battre le high score. Voilà, ça monte un peu plus vite, là. Eh merde. Bon, c'est pas grave. Ça ira mieux la prochaine fois, hein. Mais là c'est vraiment... non, là, c'était une galère. C'est pour mon retour. C'est mon retour dans chez nous. Donc c'est... Oh, mon Dieu. Bref, alors, attendez. Est-ce que je vous montre juste un peu... Qu'est-ce que c'était que ça, par contre? On pouvait pas faire ça, là. C'était quoi, ça? Attendez. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Non, on peut pas. Ouais, je me disais bien. Il y a des prix à gagner aussi. Oh là là, mais il y a trop de trucs. Je sais pas quoi faire. On va être à 40 minutes. On pourrait jouer aux fléchettes. Les amis, une partie de fléchettes vite fait. Il y a du hang-on. Ouais, alors attendez, on va peut-être faire un petit hang-on. On fera tout ça. On fera peut-être un épisode spécial sur l'arcade. On va essayer de péter tous les records. Hein. N'hésitez pas à me dire, hein, si ça pourrait vous plaire. Ça, c'est quoi, ça? Ça, on peut rien faire avec ça. Ouais, non, ça, on peut rien faire. Donc, les amis, on va sortir une dernière fois. On va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 40 minutes. On a avancé un peu dans l'enquête. Bonjour, toi. Hey. Salut. Hey, mister. Let's play soccer. Ah ouais, ce serait bien. Sorry. Ah, quel dommage. Quel dommage. J'aurais vraiment voulu vous montrer, les amis, le début d'un QTE. Ouais, un petit QTE.
un petit combat, mais c'est vraiment pas, c'est pas pour tout de suite en fait. Malheureusement. Did you see anything unusual? The day the snow turned. That's right. It was real. I raised the temperature for preparing the, but I guessed wrong. And then, well, super. C'était génial. Bah écoutez, mes amis, c'est sur ces belles paroles-là qu'on va s'arrêter. Hein. Merci à toi, le boulanger. c'est super. Donc, mes amis, bah écoutez, nous, on va s'arrêter là. On va. J'aimerais bien qu'on aille encore. Alors, est-ce que je peux aller là, mais sans. Parce qu'on peut encore. Eh zut, on peut pas. Je voulais juste aller sur la route, histoire de, voilà, de rester un peu. Vous voyez également que le temps y passe. Donc il y a aussi la nuit, tout ça, tout ça. Non, mais moi je suis juste en kiff. En fait. Je suis vraiment en kiff. Il y a les horaires d'ouverture, hein, bien entendu. Si vous les dépassez, bah c'est fini. Hein, vous voilà, vous faudra revenir à un autre moment. L'agence de voyage, ça normalement, ce sera pour partir. Je pense qu'il faut passer ici, je ne sais plus, pour partir en Chine pour Shenmue 2. Mais bref, bah, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Parce que sinon, moi, je n'arrêterai pas. Je continuerai non-stop, tellement j'adore. On va rester là, voilà, parce que ce qu'il est énorme. Il est énorme, le tome. Moi, je kiffe, voilà. Voilà, on va se rapprocher un peu. Ouh. J'adore. J'adore. Franchement, j'adore. Mais j'ai oublié que c'était le bordel avec la maniabilité. Hop là, on va faire ça comme ça, du coup. Donc les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc j'espère vraiment de tout cœur que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez... Attendez, je vérifie. Je suis en train de vérifier si ça enregistre toujours. Eh oui, ok, ça enregistre toujours. Donc les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on poursuive un peu Shenmue. Moi, sincèrement, voilà, moi, il n'y a aucun problème. Moi, ouais, c'est avec plaisir que j'aimerais bien continuer avec vous. Qu'on se fasse un vrai let's play, qu'on s'éclate parfois, qu'on enchaîne sur l'enquête et tout. Je ne suis pas sûr, comme dit, de couper des passages parce que j'ai jamais trop aimé couper. Vraiment, j'ai pas trop aimé couper. Mais bref, si vraiment il y a des phases à plat ou alors des phases que je rate. Bon, peut-être que là on coupera, mais de toute façon, pour ça, pour parler de couper ou pas, il faut que le let's play puisse vous plaire, parce que franchement, croyez-moi, Shenmue, c'est un univers à découvrir absolument. C'est quelque chose, vraiment, c'est unique en son genre, et il ne faut pas s'arrêter au seul graphisme. À l'époque, c'était très beau, mais aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter au graphisme, il faut vraiment tenter cette aventure-là. Croyez-moi, ce sera inoubliable, vraiment inoubliable. Bref, donc écoutez, bah, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire pour une éventuelle deuxième partie et troisième et quatrième. En gros, un let's play chez nous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si un let's play chez nous, ça peut vous intéresser. Moi, sincèrement, c'est avec le plus grand des plaisirs que, voilà, que je ferai ça avec vous. Voilà, vous le savez, c'est juste... voilà, chez nous, c'est la vie. Chez nous c'est la vie, donc voilà, bah écoutez bah, les amis, donc nous on va s'arrêter là, je vous ai déjà tout dit, donc quant à nous on se retrouvera dès demain. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et profitez à fond de votre passion.